Street. Oui, mais j'en ai beaucoup lié à mon genre, parce qu'en fait, je suis un prédateur sexuel. Je vais sur Internet toujours, je drague. Et je mets ma photo comme tout le monde, en fait, voilà. Et ben, il m'est arrivé que des mecs viennent chez moi et me disent « Ah non, mais ça va pas, t'es trop vieux, tu te fous de nous ?» Je dis « Ben non, c'est ma photo. » Et donc, ce sont des grands moments de solitude. Et puis, j'en ai connu d'autres aussi où... Voilà, bah tu as une aventure avec quelqu'un, tu crois que c'est très bien, tu es super content, tu es dans ses bras, 1 heure, 2 heures, une nuit, et puis au petit matin, il se tire, c'est ni au revoir ni bonsoir, il t'embrasse pas, rien du tout, et tu te retrouves tout seul dans ton petit pyjama dans un appartement. Et je crois que c'est un peu la vie des gays actuels, quoi, ceux en tout cas qui consomment beaucoup par Internet. 10 grands moments de solitude. Film. Non, je dois dire 10 grands moments de solitude ou je dois dire grand moment de solitude.